Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est au championnat de France de F3K. Alors, moi mes affaires sont là, j'ai une batterie qui charge et on va aller faire le tour de ce qui se passe un petit peu là autour quoi. C'est parti. Bon alors, je sais pas si je l'ai dit, mais on est au championnat de France de F3K 2019. Donc ici, on est sur la commune de Jonzac, sur leur aérodrome. On voit la tour de contrôle et tout là-bas. Et donc, là, ça nous fait un joli petit champ bien plat, sans trop d'appui, sans trop d'obstacles. L'herbe est bien rase, le terrain est bien plat, bref, c'est le top quoi. Là, je vais vous faire un petit vlog là-dessus, je pense que ça peut être sympa. Voilà quoi, ça va être cool, ça va être cool. Donc voilà, 2 jours de compète à venir, avec l'énergie. Voilà, donc là on est sur une manche plutôt compliquée, c'est le dernier posé, c'est-à-dire on lance tous en même temps et on doit réussir à faire 3 minutes de vol. Y'a tout le monde là, qui chronomètre, les chronomètres très sérieux. Pour une fois, ouais. Ça, ça reste, hein, c'est pas coupé au montage. Allez, allez, faut que ça rentre. Voilà, propre. Im. Et donc là, il y en a qu'on voit pas du tout, je pense, sur la GoPro, qui sont loin et haut. Donc c'est cool. Donc là-bas, c'est la régie. Et là, voilà, il y a un peu tout le monde, c'est chouette. Donc, voilà, le but, en gros, c'est dernier posé, mais c'est 3 minutes maximum, sinon, des fois, ça pourrait durer très, très, très longtemps, genre une heure. Donc, voilà, c'est 3 minutes maximum. On lance tous en même temps. Là, la dernière manche, ça a été super compliqué. Il y avait des vols qui posaient hors zone, parce qu'il faut se poser dans la zone. Il faut lancer et poser le planeur ou rattraper le planeur dans la zone, qui est définie par les rubalises, là, autour. Et donc, il y a eu pas mal de posés à l'extérieur de la zone, donc c'est très compliqué quoi, ça veut dire que le vol il compte zéro, donc c'est voilà, ça rapporte pas de points. Fin du temps de travail dans hop, et voilà, tout le monde va venir poser. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors cette manche. Top. Pas simple, mais sympa.
Le vétéran du groupe. Bah c'est quand même. Hein. Bah oui, mais n'empêche qu'il est toujours dans la. Hein. C'est quand même ça. Hein. Hein. Allez. Attention à ton genou. En te baissant parce que. Hein. Pourtant j'ai pris les pompes dans le bon sens aujourd'hui, mais là j'arrive pas. T'as tout donné, c'est normal. C'est très bien les gars. C'est bon. Non, j'en voulais une. Il faut savoir que ça fait très longtemps, enfin pas très longtemps, mais... On a plus de juniors, alors il faut bien, ouais. Bravo les gars. Enfin, championnat de France. Voilà. Bah ouais. Voilà, maintenant nous allons arriver donc au fly-off. En 6e position, Anthony Rotler, qui nous a fait un beau 0. Hein, 0 à la première manche. Pour ouais, il faut savoir qu'Anthony, il est à la saisie, il coach, il pilote, il n'a pas beaucoup de temps de se reposer, hein, il fait tout ça, donc tout le monde s'assoit. Voilà, et... Il était premier des qualifs, hein. Il était premier des qualifs aussi. Premier des qualifs, voilà, c'est ça. Premier des qualifications, tu as raison Pierre. En 5e position, l'ancien champion de France, Quentin Philippe. Eh ouais, c'est bon, Quentin. Il a réussi à la passe de France, mais bon, c'est très très compliqué. C'est quand même, Quentin a quand même réussi à faire deux fois champion de France dessus. Et ça, c'est une belle performance. Oui, puis aussi. Cette année, il est champion d'Allemagne. De France. Et cette année. Là, tout ça, c'est des membres de l'équipe de France qui sont médaillés à l'international. Donc, c'est quand même du gros niveau. Ce qui montre bien qu'Adrien, qui était à un point derrière Austin, c'est quand même très très fort. Troisième position, nous attaquons non, donc... quatrième position, excusez-moi. Surtout que c'est moi. Quatrième, Pierre Meunier. Bravo. Membre de l'équipe de France, qui était au play-off des championnats du monde. Avec 96,09%. Bravo Pierre. Voilà, voilà. Ah, c'est vraiment aussi tout ça, c'est une grosse performance. Ce play-off, ça joue très très rapidement. Elle n'est pas lâchée et très compliqué. En troisième position,
podium, Steve Collin de Nancy. Bravo Steve. Steve qui organise le seul concours international en France de Franca. Et ça, c'est une belle récompense. Ça, c'est une récompense, je suis content. C'est mal. Ouais, un homme qui voulait pas. Alors j'espère qu'il va nous arranger ça à Nancy cette année. Voilà. La plage du Bermuda. Oh, oh là là, ça me vient un peu lourd ça. Deuxième position, membre de l'équipe de France encore cette année, qui a terminé donc troisième au championnat du monde, Frédéric Filliol. Bravo Fred. Ouais, Steve monte sur le podium. Hein. Bravo, t'inquiète pas, mais il a pas assez de place dans sa poche. Il n'y a pas de poche. Voilà. Et. Bravo, mon Fred. Voilà, c'est ça. Impeccable. Tout ça. S'il te plaît. C'est de la graine de champion. Il y a des papiers qui s'envolent. Fredo, la photo. Photo. Bon, tu montes quand sur le podium là? Merde. Ils s'en foutent maintenant, ils étaient les deux. Ah bah c'est voilà, toi qui va les mettre. Non, c'est Michel qui va les remettre. Michel qui va les remettre. Voilà. Voilà, on les fait remonter. Tiens, t'as perdu ça. Vous mettrez les belles casquettes. Le champion de France, c'est le vieux de la... Le vieux de la catégorie, celui qui avait parti. Ouais. On y met. Qui... Michel qui va se désirer au début, et qui a réussi à rater, et qui va se désirer par lui, avant d'être dans la foule, il faut y aller. Toi aussi, mets ta casquette là, on te tape. Ils en ont trop là, ils sont trop gâtés. Eh, t'es content, t'as des bloopers. Voilà, le diplôme. Oh là là là. Oh là là là. Oh bah si, photo. Ah, on va pas rôder hein, pour monter sur un podium. Ah, c'est pas l'habitude, hein, c'est le premier. Eh ben bah, justement, hein, voilà. Bah, tombe pas, hein, tombe pas. Ah bah non, tombez quoi, les gars. Donc, les photos, mais vous remarquerez qu'il y a les coupes, il y a tout ce qu'il faut. Là, il manque l'essentiel, qui est la marque distinctive de la place respective des pilotes, c'est-à-dire les médailles. Donc, médaille de bronze pour Steve Collin. Médaille de bronze, remis par Michel Lélec, président du jury représentant la FFAM. Elle grimpe, Guilé. Ouais, mais Michel, ça va pour... Deuxième position. Monsieur Fred. Ouais. Un Auvergnat. Un Auvergnat. Fred Filliol. Médaille d'argent. Et là, ça va couiner. Et là, ça va couiner. Et là, le jeu qui se murle. Le genou. JB, Jean-Bernard Verrier, champion de France. Eh. Mais non, on ne voit pas ton planeur. Vos médailles sont pas planées. Faites ton ta médaille. Je les collectionne celle-là en plus. Ouais, j'en ai, ouais. Bon, alors, ouais, c'est bon. C'est bon. On regarde où parce que là. Bah, tu me regardes moi. Les paparazzis. Tu regardes les paparazzis. Aïe aïe aïe. Profitez-en. Il a dit quoi? En fait, arrête de rentrer ton ventre quand tu dis héros. Hein. Respiration, il respire plus. C'est bon? Ouais, ça va aller, c'est bon. Allez, bravo les gars! Bravo, bravo! Donc, je crois que tout n'est pas terminé.